Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les camouflages Dark Matter de Call of Duty Vanguard. Alors d'abord, je vais commencer par le mode zombie parce que je suis un joueur zombie. Donc je vais vous présenter le Dark Matter du mode zombie. Donc on va le présenter sur une STG 44, c'est parti. Personnalisation, camouflage. Donc bien entendu, pour débloquer les camouflages érudits, donc les camouflages Dark Matter, il faudra débloquer tous les camouflages précédents. Donc voilà, hein, le dernier camouflage se débloque au niveau 50. Donc je pense qu'il y a, il y a 55 niveaux par prestige, si je ne me trompe pas, ou peut-être 50, je ne sais pas. Mais enfin bref, donc là, les camouflages Dark Matter, c'est celui-ci. Mais d'abord, je vous montre quand même celui en or. Voilà, Viper d'or. Par contre, c'est pas vraiment de l'or, ou alors c'est de l'or rouge. Je ne sais pas si ça existe, de l'or rouge. Donc voilà, ils sont peut-être trompés dans la couleur, je ne sais pas. Il est plutôt pas mal, ça va, j'aime plutôt bien la couleur rouge. Alors ici, nous avons le camouflage diamant du fléau. Un diamant, diamant, ça brille pas plus que ça. Ça fait une arme grisée, ouais, je suis pas trop fan. Alors ça, c'était Viper d'or. Et le dernier, ça s'appelle l'éther noir, comme dans Call of Duty Cold War. Donc l'éther noir, voyons voir un peu ce que c'est. Donc c'est un camouflage animé, version vert, sûrement pour... la couleur des zombies, hein, couleur verte. Donc ouais, il est plutôt pas mal. Ça va, j'aime plutôt bien. Après, je vais pas vous mentir que celui de Cold War m'attire un peu plus. Parce que voilà, couleur mauve violet, bien flash, bien flashy. Je trouve que c'était vraiment un bon camouflage dans Cold War. Celui-là a l'air pas mal, hein, mais faudrait que je le voie en jeu. Mais de base, ouais, ça va. Je le trouve moins bien que dans Cold War, mais il est plutôt pas mal. Alors là, je vais aller en mode multijoueur et je vais vous montrer le camouflage Dark Matter du multijoueur. Donc c'est parti. Donc attirail, je ne peux pas... Ah c'est bon. Attirail, choisir une arme, STG 44, oui. Personnalisation, camouflage. Donc pareil, hein, il faudra atteindre le niveau 50 pour pouvoir débloquer toutes les classes de camouflage et débloquer tous les camouflages pour débloquer les érudits. Alors en érudit, nous avons le camouflage en or. Qui pour moi est carrément de l'or là, franchement. Donc en fait, en zombie, c'est le même camouflage, sauf qu'il est rouge. Mais je le préfère quand même en or. Il a l'air vraiment plus stylé. Après, il faut voir dans le gameplay quand on joue avec. Il a l'air vraiment badass celui-là. J'aime vraiment bien. Alors ici, nous avons le diamant qui est complètement le même que dans zombie. Sauf que sur le canon, vous voyez, hein, sur le canon, le côté gris, noir comme ça. Et bien en zombie il était rouge, rouge noir, et là il est noir tout simplement. Sinon le camouflage de base reste le même. Diamant, je trouve pas trop qu'il y a beaucoup de diamants. Après c'est pas très flashy quoi, ça brille pas énormément. Donc après peut-être qu'en jeu ça brille plus, mais là il a pas l'air ouf. Enfin voilà, j'aime pas trop. Par contre le camouflage atomique, je trouve qu'il est plus stylé que celui du zombie. J'aime vraiment bien l'aspect multicolore, multicouleur comme ça. C'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Que en zombie, ben, c'était couleur verte. Donc c'est vraiment le même. Hein. C'est le même, sauf qu'en zombie, c'est couleur vert-noir. Et ici, c'est multicolore. Multicolore, donc c'est vraiment beau. J'aime vraiment bien. À voir en gameplay ce que ça donne. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao. Peace.